aujourd'hui c'est un blondie pop art plutôt coloré et vraiment super simple à réaliser. C'est parti! Voici mon petit croquis et un petit bout de Tyrone. C'est parti, donc d'abord j'utilise un crayon blanc pour dessiner les extrémités de mon dessin. Au niveau de la bouche, au niveau du nez, au niveau du front, et au niveau du buste, donc j'ai voulu faire quelque chose d'un peu déchiqueté sur le bas du buste et quelques petits trous au-dessus des clavicules, ainsi que le sternum et quelques côtes. Puis j'utilise du fard à eau bleu pour faire l'ensemble de mon visage, donc c'est ce qui va me servir de base de teint. Donc ce sont des fards qui se travaillent très facilement avec de l'eau, qui ont une bonne couvrance et qui partent aussi très facilement avec de l'eau et du sable. On évite les contours du dessin. Puis j'utilise du fard à eau noire pour venir remplir les espaces entre les côtes, ainsi qu'au niveau d'un de mes yeux. Et bien sûr au niveau du nez, pour faire apparaître les sinus. Ensuite j'utilise un fard à eau rose, donc pour venir remplir mon sourcil, et le haut de mon crâne qui symbolisera le cerveau. Avec un fard à eau blanc, je viens repasser mes côtes pour qu'elles soient bien blanches, et je ferai par la suite quelques ombrages. Puis avec un fard à eau rouge, on va venir remplir les côtés de la bouche, et avec un fard à eau vert, on vient remplir un autre trou que j'avais fait au niveau du cou. Ensuite, on prend un eyeliner noir et on va tracer tous les contours avec. Et ensuite, je vais créer les ombrages au niveau des plaies. Et je vais servir de ce même fard pour faire le contouring de mon zombie, puisqu'il est censé être légèrement cadavérique. Et voilà ce que ça donne! Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je suis bleue, hein. J'ai toujours rêvé d'être bleue. Et donc c'est mon premier tutoriel avec des lentilles, donc je vous montrerai la référence des lentilles dans la barre d'infos. J'ai galéré à les mettre, mais maintenant que j'ai pris le coup de main, c'est bon. Et elles sont pas tellement gênantes, ça va, sauf quand bien sûr on met une petite poussière dedans et que du coup ça rentre dans l'œil. J'en ai pas mis à droite parce que tout simplement je comptais fermer l'œil comme ça et puis faire un peu œil crevé, mais en fait j'ai trop du mal à laisser ouvert mon œil gauche quand je ferme le droit. Donc j'espère que vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à t'abonner, à liker, à commenter. Je viens de perdre un faux ongle, c'est pas grave, comme d'habitude. Tu peux me rejoindre sur le pot commun pour m'aider à réaliser plus de make-up dans ce genre. Et je te fais de gros bisous, bye. Pour voir d'autres maquillages absolument monstrueux pour Halloween, clique sur les vidéos qui vont apparaître. Et surtout, abonne-toi.